Je vois le Sinistros. Hello, mon petit Mistiti des chantes pourries. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ceci, mais surtout de cela. Mon petit crâne chauve, ma petite boule de cristal joyeuse. Ma couille de chien. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis que je me suis rasé les cheveux il y a deux semaines déjà, mon petit Mistiti. Qu'est-ce que ça passe vite? J'avais envie de te faire part des pour et des contre de se raser la tête en tant que mademoiselle. Oui, oui. C'est parti, let's go. Le pour. Je m'emballe. C'est hyper pratique, il me faut un seul essuie quand je sors du bain ou de la douche. Alors ça déjà, thanks God. Et en plus de ça, il y a un truc absolument génial, c'est que maintenant que je n'ai plus de cheveux, il n'y a plus jamais cette petite mèche de cheveux mouillée absolument dégueulasse qui vient couler de son eau froide sur ta colonne vertébrale jusqu'à ton coccyx. Cette sensation absolument désagréable n'existe plus pour moi. Et ça, c'est merveilleux. Less is more. Je peux me toucher la tête toute la journée et Dieu seul sait à quel point j'aime ça sans risquer de graisser mes cheveux puisque j'en ai pas. Si j'avais un copain, je dis bien si. Il n'écraserait plus mes cheveux avec son coude. Mais vu que j'ai pas de copain, ça risque pas d'arriver. La vie, c'est triste. J'ai découvert, alors là, truc de ouf, que même si le 3/4 des hommes te disent qu'ils préfèrent les filles aux cheveux longs, légèrement ondulés, avec des brillances magnifiques dedans, il y en a énormément qui me disent que je suis beaucoup plus sexy comme ça. Et il y a plein de gars qui viennent me trouver en MP pour me dire « Meuf, j'avais jamais vu ça comme ça, mais une fille aux cheveux rasés, c'est méga sexy à mort. » Encore ce matin, j'ai eu un message comme ça, j'étais là, mais tant de nouvelles possibilités. Il y a un truc absolument génial, et vous allez toutes être jalouses, je peux porter du gloss sans avoir de mèche de cheveux qui se colle sur mes lèvres. Et ça c'est beau, putain. Tu sais quand tu ris ou que tu parles vraiment très fort face au vent, que tu prends une grande bouffée d'air et qu'une longue mèche de cheveux vient s'enfoncer dans ta gorge jusqu'à ton estomac de façon absolument dégueulasse et que tu dois la retirer comme ça en essayant de te retenir de pas gerber 36 fois pendant que tu le fais? Eh bien ça m'arrive pour ainsi dire jamais. J'ai plus besoin de calculer le temps qu'il me faudra pour me laver en me disant il faut que je me lave les cheveux, il faut que je prenne 15 minutes pour laisser mon masque sur les cheveux, puis ensuite il faut que je les sèche, mais j'ai pas de sèche-cheveux donc je ne peux pas fumer tout de suite. Tout ça, c'est fini mon gars. Je suis extra posée dans mon bain, j'ai aucune obligation, je suis là, oh, la vie et cheveux rasés mon gars. Mais avoir les cheveux rasés, c'est vraiment plein d'avantages. Mais l'avantage principal, c'est quand même le côté financier. On me dit à l'oreillette que je suis une grosse radine. Niveau financier, c'est absolument génial. T'achètes plus de shampoing, t'achètes plus de après-shampoing, t'achètes plus de soins, t'achètes plus de masques. Life is free! Mais je dois bien avouer qu'il y a des contres au fait d'avoir les cheveux rasés. Le contre! C'est marrant, c'est une forme de vagin. J'ai froid. J'ai hyper froid, les gars. J'ai des frissons qui me viennent de là jusqu'à ma colonne vertébrale. Mais tout le temps, vraiment tout le temps, au point que je porte des bonnets ou je porte des perruques parce que j'ai putain de froid à la gueule. Je crois que mon cerveau est pas du tout habitué à ce qui est en train de se passer et il m'envoie des petits pics genre en mode hey, tu te rends compte là que t'as plus de cheveux, va falloir faire quelque chose hein, parce que c'est bientôt l'hiver dans à peu près 6 mois. Voilà, je te préviens comme ça, tu sais que t'as froid quoi. Je n'ai jamais eu le crâne aussi de ma vie. Alors autant j'adore me mettre de l'huile sur le corps, j'adore me mettre de l'huile sur le visage, tout ce que tu veux, j'adore cette sensation, autant avoir le crâne luisant et qui coule dans ma nuque, ça, ça me dégoûte et ça m'arrive tous les soirs. Les gens dans la rue, les gens me regardent comme si c'était mon dernier jour sur terre. J'ai juste les cheveux rasés. Il y a quand même un truc assez chiant, c'est que tu peux pas faire grand chose pour changer de look. C'est-à-dire que tu peux pas changer ta mèche de côté à la tonton d'Odolphe. Déjà ça, c'est très triste. Tu peux pas non plus te boucler les cheveux, ni les lisser, tu peux pas les ébouriffer. Du coup, il faut tout miser sur le make-up et sur les vêtements pour changer de style. Et croyez-moi ou non, mais je n'ai jamais pris autant de temps pour me préparer que depuis que j'ai les cheveux rasés. Ah, le truc le plus chiant. Tout le monde, sans exception, veut me toucher la tête. Ils me disent que ça porte bonheur et ils me frottent la tête comme ça. Comme ça. Je ne suis pas un chien. Et je n'aime pas du tout que tu rentres dans ma petite bulle privée pour me rubber le crâne sans ma permission. C'est vraiment, ça se fait pas. On ne touche pas les gens qu'on ne connaît pas. Avant, quand je portais des t-shirts avec marqué Girl Power dessus, j'avais l'air d'un petit bébé mignon. Et ben maintenant, j'ai l'air d'une fémène à poil qui pisse sur des photos de Poutine. Je suis devenue parano des oreilles sales parce que même au Pérou, ils voient l'intérieur de mes oreilles. Et c'est devenu ma hantise, les gars. J'ai tellement peur d'avoir des crasses dans les oreilles, je suis en mode
T'imagines, là j'ai une crasse dans les oreilles. Et là t'imagines, là j'ai une crasse dans les oreilles. Putain, ça se fait, j'ai une crasse dans les oreilles. Oh putain. Je frotte dans mes oreilles en me disant, j'espère que j'ai pas des crasses. Je vais y aller avec les petits doigts. Et si ça marche pas avec les petits doigts, je vais y aller avec un cure-dent. Dernière chose, pensez que les cheveux ça poussait vite. J'avais tort. J'avais tellement tort. Ah, si seulement j'avais ce tort là. Mais non. Voilà mon petit vestiti, cette vidéo des pour et des contre d'avoir les cheveux rasés maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, à t'abonner à mon Instagram, absolument génial. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut! Putain, cette vidéo enfin terminée, j'en reviens pas!